Pour Aurélien Jean, on est sur les installations du TOAC. Les 10 km vont se terminer, Aurélien, donc tu gagnes. Hein. Oui, je gagne. Donc ton chrono, ton record, c'est ça? C'est mon record, voilà, je voulais passer la barre des 33 sur un 10 km. Donc voilà, c'est fait, 32,50 à ma montre. Donc voilà, je suis super content. Et au niveau des conditions, t'as couru tout seul tout le temps? Ben oui, j'étais tout seul du 1er au 10, donc j'ai fait ma course, je suis parti en 3,15 au kilo. Et j'ai tenu tout le long, à part dans les deux derniers kilomètres, où étant tout seul, j'ai un peu craqué, mais bon, les sensations étaient là, il y avait un peu de vent sur le long du canal, donc je suis satisfait. Du coup, maintenant, ça va être quoi tes prochains objectifs? Alors, le prochain objectif, ça va être le marathon de Montpellier qui a lieu le 13 octobre, donc en duo avec Grégory B, pareil, de Valmarc. Donc voilà, on va faire le relais ensemble pour essayer, pourquoi pas, de gagner là-bas à Montpellier. Et Grégory a fait un meilleur chrono que toi? Oui, à Colomiers, 32,15, voilà. Mais c'est bien, je suis content pour lui. Il y a une petite... Non, il n'y a pas de guéguerre. Enfin, il y a un petit enjeu, c'est sûr, avec tous les autres du CA Balmain, notamment Guillaume Laclergue, Pierre Louvillier, Thomas Galvin, tout ça. Mais c'est toujours bien de descendre les chronos, voilà, il y a une petite... Voilà, c'est sympa entre nous. D'accord, et donc tu es au CA Balmain et t'as signé aussi à Ronny Golivan? Oui, tout à fait, voilà, je suis donc toujours licencié au CA Balmain, mais voilà, j'ai signé aussi également au team Ronny Golivan. Voilà, je leur fais un petit clin d'œil et je dédie aussi la victoire à tout le groupe du CA Balmain et également au team Ronny Golivan. D'accord, je te remercie, à tout à l'heure. Merci à toi, Rémi.